Plusieurs personnes disent que notre vie défile devant nos yeux lorsqu'on est sur le point de rendre notre dernier souffle. En quelques secondes, difficile de croire qu'il peut nous arriver de quoi. Le temps s'arrête tout d'un coup. Je suis dans une sorte de transe. J'ai du mal à respirer, je sens plus mes jambes. Ma seule chance, c'est que quelqu'un me sorte de là. Des images déboulent sans cesse dans ma tête. Des souvenirs. Les moments intimes que je partage avec ma famille. Je vois ma mère étendue sur son lit. La voix malade est une torture. Elle est fragile. Elle me rappelle mon enfance. Je me rappelle l'odeur de ses repas qu'elle préparait chaque soir. Il y a des fois que mes parents discutaient sérieusement des choses d'adultes. Ma première cigarette. Mon premier joint. Mon premier baiser. Moi et puis mon chum d'enfance en train de déconner. Pourtant, tous ces petits moments ne seront plus que des souvenirs du passé. J'ai le goût d'abandonner. Je pourrais aller rejoindre ma mère. Il suffit simplement de tout lâcher et de me laisser aller. Mais pourquoi je continue à me battre? Je cherche quelque chose. Quelque chose qui peut donner un sens à tout ça. Quelque chose qui va me permettre de continuer. Je dois seulement chercher. Allez, Louis, cherche! Même les images de la vie quotidienne refont surface. Elles peuvent paraître banales, mais quand on les regarde de plus près, on se rend compte que ces gestes sont importants. Il crée notre routine qu'on applique à chaque jour. La musique m'importe beaucoup. Elle m'apaise, autant que le silence.
Je sens mon cœur battre plus lentement. Ma respiration ralentit elle aussi. À quoi servent ces souvenirs? À me rabaisser? Il doit y avoir une raison. Quelque chose a changé. Ça fait longtemps que j'y pense, là. Je sais pas trop comment te le dire. Papa, je suis gay. Quoi? Je suis gay. Papa? On dit qu'on voit notre vie défiler devant nous lorsqu'on meurt. Pour moi, ces souvenirs sont des leçons, des expériences de vie pour être plus fort, pour changer. Je choisis de me battre pour corriger mes erreurs, pour devenir meilleur. J'ai trouvé ma raison de vivre. Parce que le matin, quand je suis parti, tu m'en as pas parlé. Là. Si tu me l'avais dit, j'y aurais pensé. OK. Ouais. Ben, y a-tu d'autres choses? C'est rien que ça. Ah, ouais. Mais c'est ça qu'à l'heure qu'on y va? Thank you.
J'ai besoin d'une ambulance. Sur la rue des Topaz, à Lévis. Il y a quelqu'un qui a été renversé par une voiture.